Vous êtes bien ici, mademoiselle? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, je vous remercie, docteur Watson. Ne croyez-vous pas qu'un coussin peut-être... Watson, pas tant d'embarras, je vous prie. Si cet épisode avait été livré au lecteur à l'époque où il prit place, les services de cette jeune personne n'auraient certes pas été requis. Et vous n'auriez pas le souci de son confort. Non. La publication du récit de cette affaire était strictement interdite jusqu'à ces temps-ci. Mais l'interdiction vient d'être levée. J'aurais moi-même pris la plume, mais enfin, je suis plus jeune et j'ai un soupçon d'arthrite. Quand il vous plaira, monsieur. Le docteur Watson est mon biographe. Voyons. Les événements qui vont suivre se déroulèrent en 1913, de juste avant la Grande Guerre. L'Europe connaissait encore la paix, mais sans l'intervention de Sherlock Holmes, l'Angleterre aurait été victime d'une catastrophe à ce point colossal qu'une fois la guerre déclenchée, elle aurait été broyée par la défaite et plongée peut-être dans le néant. Tout commença lorsque deux sergents de ville, en patrouille sur la Tamise, aperçurent quelque chose de suspect. L'objet qui avait attiré leur attention se révéla être le corps d'un homme coincé entre deux piliers de bois d'une jetée abandonnée. Avec difficulté, ils parvinrent à déloger le cadavre et à le hisser à bord de leur embarcation. Donne-moi un coup de main. Dépêche-toi. Il semblait qu'il ne soit qu'une autre proie infortunée des eaux perfides. Son visage ne pouvait être que celui d'un homme qui avait été le témoin de quelque inimaginable horreur. Alec MacDonald de Scotland Yard, dévoué et compétent serviteur de la couronne, avait déjà à cette époque un renom national. Entrez, MacDonald. Vous êtes toujours aussi ponctuel, mon cher. Et vous avez toujours l'oreille aussi fine, monsieur. Docteur Watson, ravi de vous rencontrer. Watson a eu l'aimable attention de venir me voir. Je ne suis pas souvent à Londres ces temps-ci. Holmes préfère mener une vie d'ermite dans le Sussex, où il étudie les mœurs des abeilles. Fascinante créature, les abeilles. Je les observe comme j'observais autrefois le milieu londonien du crime. Mais vous avez à parler tous les deux. À moins que vous n'ayez un rendez-vous d'une extrême urgence, ayez donc la bonté de rester, docteur. Avec le plus grand plaisir. Prenez un siège, alors. Vous savez le prix que j'ai toujours attaché à votre opinion, je vous en prie. Eh bien, MacDonald. Votre voix au... Ne laissez pas de trahir une certaine inquiétude. Dans le temps, je n'ai jamais hésité à vous consulter quand j'étais confronté à quelques difficultés, monsieur Holmes. Les médiocres ne connaissent personne de plus qualifié qu'eux-mêmes. Vous avez du talent, monsieur MacDonald. Pas suffisamment dans le cas présent. Le jour baisse, Watson. Voulez-vous avoir l'obligeance d'allumer le gaz? Et maintenant, quelle est cette difficulté contre laquelle vous butez? Trois cadavres, monsieur. Hein? Le premier a été trouvé dans la Tamise. Oui, la Tamise est la sépulture de beaucoup d'infortunés. Et les deux autres?
trouvé dans les ruelles de Whitechapel. Dans ce monde cruel, les pauvres meurent souvent dans la rue. En quoi ceci est-il exceptionnel? Leur visage. Vous pourrez d'ailleurs en juger vous-même. Mais le légiste a examiné les corps avec le plus grand soin et il n'a relevé aucun signe de maladie, ni la moindre blessure ou ecchymose. Nul ne meurt sans cause. Vous n'ignorez pas, mon cher. Je vous assure qu'il n'y avait absolument aucune cause visible susceptible de justifier la mort de ces gens. 25 ans, à peu de choses près. L'expression du visage. Singulier, très singulier. Vous n'aviez pas exagéré, MacDonald. Un vagabond. Un mendiant, jugé par ses vêtements et son aspect. Habitué à coucher à la dure, n'importe où. Trouvé mort dans une ruelle où il avait dormi sur une grille d'aération. L'endroit est marqué sur la carte. Mais vous dites que les deux autres cadavres ont été enterrés. Oui. Ils peuvent être exhumés si vous le désirez. Non. Décrivez-les-moi dans l'ordre. Le premier était celui d'un homme jeune, un ouvrier, respectablement vêtu. Le cadavre était coincé dans l'entrecroisement de deux piliers en bois. Sous une jetée à l'abandon. Ici. Mais il ne s'agissait pas d'un noyé. On n'a pas trouvé d'eau dans ses poumons. L'homme était mort avant son séjour dans le fleuve. Mais puisqu'il n'y avait pas la moindre cause mortelle apparente... La Tamise suit le mouvement des marées. Dieu sait où le corps a pu devenir la proie des eaux. Son identité ne vous a donc fourni aucun indice. Son identité nous reste inconnue. Quoi? Rien trouvé dans ses poches? Pas d'effet personnel? Rien? Rien. Et cet anonymat ne vous a pas paru curieux? Très curieux, mais il était évident que... Personne ne s'est manifesté, ni ami, ni famille. Non, personne. La seconde victime. Un sang-froguier, une loque. Son cadavre gisait dans une cave abandonnée, ici. Ouais, autrement dit, pas très loin de la grille où celui-ci a été découvert, coïncidence ou pas. Vous êtes tout à fait certain que l'expression des visages de ces trois malheureux... Monsieur Holmes, identique, identique. Holmes, ceci me rappelle quelque chose. Quoi donc, docteur? Au cours de mon service en Afghanistan, j'ai vu des quantités de morts, trop de morts, et beaucoup avaient cette expression sur leur visage. La peur, Holmes. Mais la peur de quoi? D'une personne? D'une présence? De la mort elle-même? Quelques maladies inconnues auraient pu provoquer semblable terreur, mais les sujets étaient absolument sains. Watson, n'y a-t-il pas la moindre odeur, la plus légère trace à laquelle on ne s'attendrait pas? Peut-être n'est-ce que mon imagination? Mais venez, examinez de près la muqueuse, docteur. Est-ce que vous n'y décelez pas une très légère décoloration? Une irritation à peine sensible, peut-être? Mais ce n'est guère concluant. On verra avec un prélèvement. Quand j'en aurai fini avec ce pauvre garçon MacDonald, et si vous le permettez, j'irai inspecter les lieux où on l'a trouvé. Bien sûr, monsieur, mais je crois Votre présence ne me semble pas indispensable. Dès que Sherlock Holmes eut terminé son examen méticuleux du cadavre, nous nous dirigeâmes vers Whitechapel où le dit cadavre avait été trouvé. L'endroit était sinistre et désert. Une sourde menace, un présage de violence semblait émaner de l'air même. Ce qui cependant n'oblitérait pas mon plaisir d'être associé encore une fois à Holmes. Mais je regrettais ardemment que cette étrange affaire nous ait conduit dans un voisinage aussi peu salubre. Nous nous approchâmes de la grille sur laquelle était mort le vagabond. Un tas de vieilles hardes et de chiffons sales l'obstruaient. Holmes allait le repousser du pied quand il s'immobilisa soudain. Sous l'informe paquet gisait l'épave d'un être humain, une des créatures les plus pathétiques que j'ai jamais vues. Pouvez-vous vous relever, mon ami? Répondez-moi, avez-vous un nom? Nous ne voulons pas de mal. Nous ne sommes pas de la police. Passez-vous souvent la nuit ici? Il est trop imbibé d'alcool pour vous répondre. C'est exactement le contraire, cher Watson. Il a besoin d'alcool. Est-ce que vous avez un nom? Coombs. Alfred Coombs. Le mal est partout dans cette ville. Je vous le dis, repentance. Vous serez damné pour l'éternité. Repentance! Avant que le démon ne fasse de vous sa créature. Voyons. Dormez-vous souvent sur cette grille? S'il n'est pas là, j'y dors. Qui? Ah, c'est sa place qu'il dit. Et alors il m'en chasse, à coups de pied comme si j'étais un chien. Mais il a été puni pour ses péchés. Mais de quelle façon?
Les flammes éternelles, l'enfer, le torture nuit et jour. C'est eux qui l'ont emmené. Vous y avez assisté? Mais je les ai vus, oui. Je sais tout. Qui sont ces eux? Des démons. L'incarnation du mal, ils ont des corps d'hommes. Comme vous et moi. Mais des visages de porc. Ils ont des trous à la place des yeux. Et des groins à la place du nez. Ce sont des démons envoyés par l'enfer. Des démons. Des démons messagers de Lucifer qui répandent le mal. Venez, Watson. Un encas bien garni doit nous attendre à Baker Street. Nous laissâmes ce pauvre fou à sa solitude et à la paix qu'il paraissait trouver dans sa misère même. Holmes! Holmes, je crois réellement que... Cette affaire singulière avait fini par obséder Holmes. Je le voyais peu, du reste. Mais un soir, en rentrant de mon club... Holmes, pour l'amour de Dieu ! Fermez la porte, vite ! L'air ne doit pas refroidir dans cette pièce. La température est la condition du succès. D'abord, j'ai procédé à une analyse. De quoi ? De quoi ? Du prélèvement que j'ai fait à la morgue sur ce cadavre anonyme, naturellement. Mais sans résultat. Oh, il y a de quoi devenir fou, Watson. J'ai la conviction que je suis sur les traces d'une substance chimique que je ne connais pas. Je vous assure que je n'ai ménagé au... isolé, mais... Non, pas maintenant, Madame Hudson. Il faut que je vous parle, c'est important, monsieur. Je vous avais pourtant dit, il me semble, que je ne voulais être dérangé sous aucun prétexte. Je suis désolée, mais je... Oh, monsieur Holmes. Dire que j'espérais avoir vu la fin de tout ceci. Je vais recommencer à vivre dans la... Il n'y aura pas d'explosion, Madame Hudson. Je vous le promets. Cela dit, puisque vous êtes entrée sans permission, ayez donc la bonté de vous retirer. Il y a deux messieurs en bas qui désirent vous voir. Eh bien, renvoyez-les, c'est simple. Oh, mais ça ne l'est pas, justement. L'un de ces messieurs est le ministre de l'Intérieur, en personne. Il est très anxieux de vous voir et de vous consulter sur une affaire d'une extrême urgence. Bon, très bien. Laissez-moi deux ou trois minutes et faites-les monter. Une journée perdue, Watson. Si je me souviens bien, vous avez pris la liberté un jour de m'informer que mes connaissances en chimie étaient extravagantes. Mais une autre fois, je suis sûr de les avoir qualifiées de profondes. Eh bien, elles ne le sont pas aujourd'hui. Holmes? Et pourtant, je suis près du but, Watson. Je le sais, j'en suis persuadé, mais le dernier maillon m'échappe encore, hélas. Ouais, il m'échappe. Et avec lui, elle m'échappe aussi. Mais qui est-ce donc, elle, à qui vous venez de faire allusion? La vérité, docteur. Entrez, messieurs. Monsieur le ministre de l'Intérieur, accompagné d'une autre personne, monsieur Holmes. Merci, madame Hudson. J'ai plaisir à vous revoir, cher monsieur Holmes. Merci, monsieur le ministre. Mais voici mon ami et collègue, le docteur Watson, qui a parfois la bonté de m'apporter son concours dans mes enquêtes. Docteur Watson. Monsieur le ministre. Puis-je vous présenter monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson? Docteur, c'est une insigne faveur d'avoir devant soi le détective qui fait l'admiration de l'Europe, à la fois pour ses dons et son expérience. Merci, mais à qui ai-je l'honneur de m'adresser? Jusqu'à ce que nous sachions si votre collaboration nous est acquise, il vaut mieux que je demeure inconnu. Monsieur le ministre se portera garant de moi. La situation est excessivement délicate, monsieur Holmes. Je vous en prie, asseyez-vous. Dois-je comprendre que ce problème vous concerne? Il nous concerne tous, monsieur Holmes. Je préférerais de beaucoup m'entretenir avec vous sans témoin. Je me retire naturellement. Veuillez rester, Watson, s'il vous plaît. C'est lui et moi ou personne. Vous pouvez dire devant le docteur Watson tout ce que vous me diriez dans l'intimité.
Alors il faut que je commence par exiger de vous deux une discrétion absolue. Il n'est pas dans mes habitudes de trahir une confidence. Ni dans les miennes. Des sombres nuages envahissent les cieux de l'Europe. On parle même de guerre. Et le monde se méprend sur les intentions de notre Kaiser. Dans l'intérêt de la paix, un arrangement fut conclu entre nos gouvernements pour qu'un personnage du plus haut rang se rende incognito en Angleterre. Puis-je vous demander, quels sont les liens que vous pouvez avoir avec ce personnage d'une si grande importance? À ses côtés, j'occupe un poste de confiance. Un poste de confiance? Voilà qui est très intéressant. Avec votre permission, Monsieur Holmes, j'irai maintenant droit au cœur de cette affaire. Faites-moi la grâce de patienter un peu, je vous en prie, monsieur. Watson, ayez l'amabilité de chercher certaines personnes dans mon index. J'ai nommé le comte Udo von Felseck. Monsieur Holmes, je me sens obligé d'intervenir. Votre intervention sera évidemment fort appréciée, mais tout à l'heure, monsieur le ministre. Docteur. Von Felseck, comte Udo, lien lointain de parenté avec le Kaiser Guillaume II, carrière variée, homme de science, diplomate, soldat, a fait ses études à Potsdam, Heidelberg, Oxford, maître d'armes, Club White, Londres. Merci, docteur. Bien. Tout étant en ordre, les présentations étant faites comme elles auraient dû l'être, comte von Felseck, je crois... Je ne sais comment m'excuser, monsieur Holmes. Je suis dans une position fort difficile. C'est le moins que vous puissiez dire, je crois. Il semble que vous soyez engagé dans des discussions qui sont plutôt du domaine des affaires étrangères et de son ministre. Le cabinet est dans l'expectative. Nombre de ses membres estiment la guerre inévitable. Je crois le contraire. Il nous faut rester en paix avec l'Allemagne, monsieur Holmes. En paix, et dans ce but, je suis prêt à mettre en œuvre toute l'influence dont je dispose. La paix sera peut-être sauvegardée, alors. Nos conversations doivent demeurer confidentielles. Le comte von Felseck est avec nous à titre privé. Me direz-vous comment vous avez su, monsieur Holmes? En dépit de mon apparition très flatteuse dans votre index, je suis bien loin d'être un homme public. Votre photographie ne paraît jamais dans la presse, à ma connaissance, c'est vrai, mais je n'en suis pas pour autant un devin. Mais vous allez voir que l'explication, comme d'habitude, la simplicité même. J'ai eu jadis le privilège d'assister à une de vos conférences à l'université d'Heidelberg. Nous étions tous les deux très jeunes en ce temps-là. Ah, vous auriez dû vous faire connaître, monsieur Holmes. Étant donné que vous bénéficiez des bons offices du comte von Felseck, pourquoi la présence de cet autre personnage d'une si grande importance a-t-elle été jugée nécessaire? Nul ne douterait qu'il ne soit le messager du Kaiser Guillaume II. Je vois. Mais continuez. Voyageant incognito, le messager arriva jeudi dernier à New Haven par le ferryboat de nuit. Mon chauffeur l'accueillit et le conduisit à ma résidence d'été où il se retira dans la chambre qui l'attendait. Le lendemain matin, il s'était évanoui. Il avait disparu, monsieur Holmes. Disparu sans laisser de traces. Mais dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Prévenir la police des deux pays, et cela sans perdre un instant. C'est impossible. Holmes, si le monde apprenait que ce jeune chargé de mission s'est rendu en Angleterre, où il semble qu'il ait été enlevé, cela aurait précisément pour effet de déclencher le conflit que sa venue avait pour but de prévenir. La guerre deviendrait inévitable, alors. Ce messager doit être effectivement d'une grande importance. Sauf erreur, c'est un prince de sang royal, n'est-ce pas? Et il faut le trouver, quoi qu'il en coûte. Et il est essentiel que toute l'enquête soit menée en secret, avec la plus grande discrétion. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous, monsieur Holmes. Il n'y a personne d'autre. Je comprends, mais je suis dans une situation difficile. Je travaille sur une autre affaire que je ne peux abandonner. Je croyais que vous étiez retiré. Certes, oui, mais j'ai consenti à prêter mon concours à McDonald de Scotland Yard. Les forces de police dépendent directement de mes services. Je peux par conséquent vous dégager de vos obligations. Cette difficulté abolie, allez-vous me répondre? Dites oui, monsieur Holmes, je vous en conjure. Je vous supplie de vous souvenir de ce qui est en jeu, Holmes. Vous reprendrez plus tard votre collaboration avec McDonald. Rien n'est plus important que cette affaire-ci. Retrouver le messager passe avant tout. Ah, très bien. Dieu soit loué. L'Allemagne sera votre débitrice, monsieur Holmes. Ma carte. Merci. Mon chauffeur vous accueillera à l'arrivée du train partant de Marylebone demain à midi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun inconvénient. Messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Holmes.
Watson, notre ministre de l'Intérieur est un homme intègre et je le respecte, mais cela n'est pas suffisant. Protéger la paix est une noble ambition. La guerre n'est jamais que l'œuvre de fous. Oh, que vaut la nid de fausses, Watson. Ils sont nombreux, les gens sains d'esprit qui réclament la guerre. Si ce que l'on nous a appris ce soir est exact dans les moindres détails, si ce jeune et distingué personnage a bien été enlevé, nous semblons être en présence d'un tortueux complot visant au déclenchement d'une guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne. J'en saurai davantage quand je recevrai les réponses à des télégrammes que je dois envoyer le plus vite possible. Je vous souhaite votre habituel succès dans cette délicate entreprise. Bonne nuit, Holmes. Watson. Si ce n'est pas abusé, voudriez-vous m'accompagner dans le Buckinghamshire? Bien entendu, je n'osais pas vous le demander. Sans mon fidèle historiographe, je me sens perdu. Vous êtes mon seul ami, cher Watson. Vous avez une grande et rare vertu, le silence. Je fais les bagages, alors? Cette affaire est très mystérieuse, Watson. L'endroit paraissait idyllique, et l'air était pur et revigorant, surtout comparé aux miasmes de Londres. Cependant, nos expériences passées m'avaient appris que la perfidie et le mal pouvaient se tapir dans un cadre aussi innocemment pastoral. Et pour quelque obscure raison, j'étais en proie à la plus vive appréhension. Mon imagination assurément me jouait des tours, je me le répétais, mais je me sentais quand même mal à l'aise. Merci. Quoi qu'il en soit, notre voyage se poursuivit et s'acheva dans les meilleures conditions de confort. Et la résidence de Von Felsek était un régal pour les yeux. Le comte parut surpris et presque choqué de me voir. Merci. Vous êtes ici le bienvenu, monsieur Holmes. Merci, comte. Vous aussi, docteur Watson. Merci. C'est moi, monsieur. Puis-je vous présenter mon fils, Anton? Enchanté. Très heureux. J'ai pensé que vraisemblablement vous aimeriez avoir cette chambre, monsieur Holmes. Merci. Une autre chambre sera à votre disposition, docteur. Nous avons été obligés de forcer la serrure après que le valet n'ait pu obtenir une réponse. C'est un serviteur de confiance, d'une discrétion absolue. Mais il répondra à toutes vos questions dès qu'il aura défait vos bagages. Ouais, cela, il le fera plus tard. Et cette porte, était-elle verrouillée de l'intérieur? Oui. Et la clé? Rien n'a été touché depuis la triste découverte. Quant au lit, il n'avait pas été défait. Les vêtements? Ses vêtements de voyage n'étaient plus là, à l'exception de ses bottes. Il devait les avoir échangés pour des souliers. Quoi d'autre encore? Le reste de ses affaires dans la penderie et dans la commode. Vous avez des invités? Ils étaient ici quand le messager a disparu. Dans quel but leur visite? J'ai de nombreux amis en Angleterre, monsieur Holmes. Ils ne se doutent pas de ce qui s'est passé, bien sûr. Peut-être savait-il que le personnage en question allait arriver? Il ne pouvait pas le savoir, j'en suis convaincu. Sa visite avait été organisée dans le plus grand secret. Néanmoins, je suppose que vous désirerez leur parler, avec discrétion. Ah, je vous demande pardon. Il y a plusieurs télégrammes qui sont arrivés pour vous, monsieur Holmes. Merci. Monsieur Holmes, vous serez d'accord sur le fait que le motif de votre présence chez moi doit rester rigoureusement secret. Avec votre permission, en conséquence, je vais dire que vous êtes ici à titre privé, en tant qu'ami et... distingué. Si vous voulez bien m'accompagner maintenant... Auparavant, il faut que j'examine cette pièce sous tous ses angles, ainsi que son contenu. J'aurais aussi besoin d'une photographie du jeune disparu. Cela dit, veuillez m'excuser, le docteur Watson me remplacera auprès de vous. Après vous, docteur. Le docteur Watson, mon très cher ami, Frédéric Baines. Enchanté. Ravi de vous connaître, docteur.
Si vous êtes ici pour recruter de nouveaux patients, vous serez laissé. Monsieur Benz a une grosse compagnie maritime. La plus belle flotte marchande de toute l'Angleterre. Un exploit pour un homme qui est parti de rien. Puis-je vous présenter le docteur Watson, Lord et Lady Claremont? Bonsoir, docteur. Enchanté. Enchanté, Lady. Rupert, je voulais justement vous voir. Que penseriez-vous d'une bonne partie de chasse en fin de semaine? Excellente idée. Si vous consentez naturellement à lui accorder quelques heures de liberté, Cynthia. Lord Claremont et sa femme sont pour ainsi dire jeunes mariés. J'ajoute qu'il a déjà survécu à deux épouses. Immense fortune, un des plus grands propriétaires terriens de ce pays. Forte influence à la Chambre des Lords. Oh, et voici ma dernière invitée. Madame Morton, permettez-moi de vous présenter le docteur Watson. Docteur? Madame. Madame Morton est une grande amie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Ne nous sommes-nous pas rencontrés, docteur? Si un tel plaisir m'avait été accordé, madame, je ne l'aurais jamais oublié, je vous le garantis. Docteur, Monsieur Holmes préfère que le repas lui soit servi dans sa chambre, je suppose. Je vais voir. Excusez-moi. Holmes. Holmes. Les fenêtres n'ont pas été forcées, Watson, et seul un esprit, et encore, aurait pu entrer ici ou en sortir. Holmes, vous m'avez fait peur. Il n'y a pas de panneau secret, et aucune voie d'accès à l'exception de cette porte. Les vêtements restés dans la garde-robe sont bien ceux qui conviendraient à un jeune prince. Holmes, elle est ici. Qui? La femme. Quoi? Irène Adler, Madame Morton. Elle est en bas. C'est une des invitées de Von Felsek. Vous ne faites peur? Non. Seules quatre personnes se sont déjà jouées de moi, Watson. Trois messieurs et la femme. Pendant le dîner, c'est à peine si je remarquais l'excellence des plats et celle des vins. En apparence, il n'y avait là que quelques invités traités, disons-le, royalement. Mais l'un d'eux, ou plusieurs d'entre eux, était assurément coupable d'un crime qui risquait d'avoir des conséquences incalculables. Von Felsek semblait nerveux, fatigué, ce qui était entièrement justifié par la gravité des circonstances. La paix du monde, rien de moins, était en jeu. Holmes et la femme. Un quart de siècle, ou presque, s'était écoulé. Et pourtant, Irène Adler était plus séduisante que jamais. Irène, la seule femme qui ait jamais réussi à, pardonnez-moi l'expression, rouler le grand Sherlock Holmes. Lord Claremont s'était évident l'admirer. Ou bien, était-il des complices? Je me le demandais. Merci. Puis-je? Non, merci. J'avais cru comprendre que vous aviez quitté définitivement l'Angleterre. Avec votre mari, était-ce faux? Nous avons gagné les États-Unis. Il m'a été rapporté que vous ne vous étiez pas remise d'une maladie d'une extrême gravité. Ces bruits étaient plus qu'exagérés. Comme ceux peut-être qui annonçaient votre retraite. Je suis devenu un homme de loisirs. Et je suis veuve. Il semble évident que feu votre époux a assuré votre avenir. Est-ce que par hasard vous vous préoccuperiez de mon avenir? Votre époux a prospéré. Il est devenu l'avocat d'une puissante société de Washington. Et avec le temps, un excellent ami et conseiller du président. Vous n'avez sûrement pas manqué alors de recevoir beaucoup dans vos salons. Et d'acquérir ce degré considérable d'influence politique qu'une femme aussi douée et aussi subtile que vous peut exercer. J'ignorais que vous intéressiez à la politique. J'essaie, on m'a souvent dit que mes lumières à ce sujet s'avéraient déplorables. Soit dit sans vous fâcher, j'en doute fort. Connaissez-vous Udo von Felsek depuis longtemps? Oh, je dirais que c'est un être fascinant et je n'ai qu'une hâte de faire plus ample connaissance. Oh, je suis sûre que vous y arriverez. Si c'est cela que vous désirez, Monsieur Holmes. Vous avez, si j'ose ainsi m'exprimer, plusieurs longueurs d'avance sur moi. Et vous devez en savoir bien plus que votre serviteur, madame. Oh, il est tard, je ne me rendais pas compte. Mes activités,
la politique et Udo von Felsek. Je me demande à quoi vous pensez, Monsieur Holmes, et si le comte Udo apprécierait la chose. Cette femme me déconcerte, Watson. J'ai jamais pu lire en elle, mais je n'y lis toujours rien. On vient nous dire qu'un important personnage, qui n'est autre, nous laisse-t-on entendre, qu'un prince allemand, est arrivé dans la soirée de jeudi à New Haven, était conduit ici et a mystérieusement disparu de sa chambre. Je me suis d'abord dit que cette histoire rocambolesque n'était que pure invention. Pourquoi ? J'avais de bonnes raisons de le penser, mais je ne peux vous les révéler, Watson. Et si c'était une invention, quel en serait le but ? Si j'étais en mesure de vous éclairer là-dessus, je ne serais pas ici. J'ai envoyé des télégrammes à la police de New Haven, au service des douanes et aux autorités portuaires, que j'avais jadis tirées d'un assez mauvais pas. Le ferry est arrivé de Dieppe à l'heure prévue. Un policier a décrit le véhicule automobile en question et le chauffeur à la perfection. Un employé des douanes s'est souvenu de façon précise d'un homme jeune, emmitouflé jusqu'aux oreilles car il faisait froid, la démarche militaire et un air frappant de distinction, et il s'exprimait en allemand. Ce même homme fut alors accueilli avec la plus grande déférence par le chauffeur, qui l'emmena aussitôt. Et si vous nourrissiez des soupçons aussi graves, n'était-ce pas imprudent de vous faire adresser ces télégrammes ici ? Non, je m'attendais à ce qu'ils soient ouverts avant de m'être remis, mais après une étude soigneuse des enveloppes, je puis dire, et je suis persuadé qu'elles n'ont subi aucune intervention. Donc l'histoire doit être vraie. Le prince a été enlevé dans cette chambre. Mais comment ? La réponse est facile. Dès notre arrivée, j'ai su comment on aurait pu procéder, mais à ce moment-là, je croyais dur comme fer qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un ici. Mais s'il y a eu quelqu'un, comment a-t-il pu sortir la fenêtre ? Impossible, la porte ? Non, non, la porte était fermée de l'intérieur. La clé se trouvait là, mais dans une telle résidence, on dispose inévitablement de plus d'une clé par chambre. Et une seconde clé fut utilisée pour ouvrir la porte de l'extérieur. Le forfait accompli, la porte fut refermée, mais de l'extérieur et la clé remise à sa place. Grâce à la connivence d'une personne parfaitement au courant des habitudes de la maison. Et, par exemple, Irène Adler, elle était là. Oui, Irène Adler. Cette nuit-là, mon sommeil fut agité. Aux premières heures du matin, avant l'aube, je me réveillais. Je crus avoir entendu un bruit étrange, inhabituel. Parmi les arbres, vaguement éclairés par la pâle clarté de la lune, se dressait une sinistre silhouette. Ce jeune homme est vraiment prévenant. Tel père, tel fils. Udo vous faisait visiter son domaine ce matin. Et vous paraissez avoir posé des questions à plusieurs de ses domestiques. Je vous ai déjà vu au travail, souvenez-vous, Monsieur Holmes. Le but de votre venue ici m'intéresse. Je m'interroge, que pourrait-il bien être cette fois ? Vous n'avez pas l'air de vous en inquiéter le moins du monde. Pourquoi m'en inquiéterais-je, mon cher ? Vais-je donc être soumise à la question ? Si cela est, je devrais savoir de quoi je suis soupçonnée. Madame, je vais être franc. Je n'ai jamais été un admirateur béat de la gent féminine. Nulle personne du sexe ne mérite une confiance aveugle. Fut-elle la meilleure de toutes ? Ni le meilleur des hommes, si j'en crois mon expérience. Écoutez, si vous n'avez rien à cacher, et si vous dites la vérité, je ne vous souhaite aucun mal. Je doute que vous puissiez me faire du mal, Monsieur Holmes. Madame, jamais je n'ai été battu deux fois. Vous me semblez être une amie intime du comte von Felsek. Est-ce que vous refuseriez de répondre ? Je l'ai un peu connu, il y a longtemps, à Varsovie, où j'avais retrouvé celui qui était alors roi de Bohême et que vous vous rappelez sans doute. Oui, madame. Mon impuissance à récupérer les lettres compromettantes qu'il vous avait écrites fut un de mes rares et pénibles fiascos. Nous en avons tous. Je les déteste, comme vous. Et le roi m'avait trompé. Et pourrait-on savoir quand vous avez revu le comte ? C'est lui qui m'a contacté lorsque je suis rentrée à Londres. Pourquoi ? Pour une raison particulière ? Je crois qu'il prend plaisir à ma compagnie, Monsieur Holmes. Tous les hommes ne partagent pas votre opinion sur les femmes.
En somme, je ne crois pas faire erreur en disant que Udo von Felsek fait campagne pour la cause allemande, c'est cela. Pour quelle autre cause? Il est allemand. J'ai lu dans mon journal que jeudi prochain, un groupe important de sénateurs américains s'intéressant aux affaires étrangères arriverait à Londres. Bien sûr, von Felsek aimerait faire campagne en faveur de la neutralité américaine en cas de guerre. Je pense que par votre intermédiaire, le comte rencontrera ces gens. Si vous connaissez la réponse, pourquoi poser les questions? Est-ce là le crime dont vous me soupçonnez? Oh non, madame. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à être utilisé comme le sont des hommes tels que Benz et Lord Claremont, cela ne regarde que vous. Utilisé? Je suis américaine de naissance, monsieur Holmes. Vu de mon pays, l'Europe paraît bien loin. Et ces chamailleries nationalistes mesquines et sans importance. Il n'est pas dit que l'Amérique ne changera pas d'avis le jour venu. Nombreux sont les Américains d'ascendance allemande. Adler, entre autres, est un patronyme venu d'Allemagne. À votre connaissance, plaider la cause allemande serait donc la seule et unique raison de la présence du comte von Felsek en Angleterre. Pourrait-il y en avoir une autre? Craignez-vous de répondre? Et vous? Quel est votre propos ici? Allez-vous me le dire? Je vous dirai simplement ceci, madame. Votre ami von Felsek n'est ni logique ni cohérent. Si l'Allemagne ne songe pas à la guerre, en quoi la neutralité américaine lui importe-t-elle? Descendu et entré furtivement dans la maison. Ah, le revoici. Oui, là. Qui est-ce? Ah, je ne saurais le dire. Et la nuit dernière, je n'ai vu qu'une vague silhouette. Mais le chauffeur n'est pas ressorti du garage, Watson. Phare éteint. Où peuvent-ils aller à cette heure? Tâchons de le savoir. Holmes. Je suivis Holmes sans trop de conviction, tandis qu'il m'exhortait sans cesse à me dépêcher. Plus vite, Watson! Ici! Enfin, Holmes fit halte et je repris mon souffle. Nous nous trouvions au bord d'une carrière de craie. Comment avez-vous su? Facile, la nuit dernière, les pneus étaient blancs de craie avant que le chauffeur ne les lave soigneusement à 3 heures du matin. Il doit y avoir beaucoup. La voiture n'a été absente que peu de temps, Watson. J'ai calculé la distance maximum qu'elle avait pu parcourir en un laps de temps aussi court, ce qui m'a conduit tout simplement ici. C'est à plusieurs miles par la route, mais mon excellente carte d'état-major m'a révélé ce sentier pour piétons. Un raccourci à travers champs. Un signal. Et pour qui? Nous allons le voir.
Qu'est-ce qu'il y a? Attendez ici. Et quoi qu'il arrive, ne faites rien, compris? Et surtout, ne bougez pas. Mais enfin, je... Non, non, ne bougez pas. Mais enfin, écoutez-moi. Mais... Ici, Watson. Suivez-moi à l'intérieur. Venez vite. Il va de votre vie. Der große Detektiv und der Doktor haben sich endlich zur Ruhe gesetzt. Ce que j'avais pris pour un moteur de voiture n'était qu'une pompe en fonctionnement. Et le signal n'était qu'un leurre destiné à nous attirer dans le piège. J'ai mordu à l'hameçon, comme un débutant. Dans cette affaire, j'aurais accumulé bêtises, gaffes, erreurs de jugement. Watson, je ne sais plus ce que je dois faire à présent. Et votre opinion me serait précieuse. Qu'est-ce que nous avons appris? Je vous écoute. Une chose en tout cas est sûre. Toute cette affaire n'est qu'une supercherie dont la seule justification était de m'attirer ici. Mais dans quel but? Mais celui de provoquer ma mort, c'est évident, cette nuit, demain ou un autre jour. Mais enfin, personne ne pouvait miser sur le fait que vous entendriez la voiture en plein cœur de la nuit, ni que par déduction vous sauriez où elle était allée, ni que vous vous rendriez sur les lieux et à quel moment. Oh, bien au contraire, Watson. La piste a été soigneusement tracée avec la triomphante certitude que je la découvrirai et la suivrai. Mes méthodes et mon infernale curiosité ont été étudiées en profondeur et dûment prises en compte. Un individu voué au mal les a analysées, disséquées pour mieux me détruire. Oui, mais pourquoi avoir choisi un moyen aussi hasardeux? Pourquoi pas un coup de poignard, une balle de revolver, dans cette pièce ou dans le parc? Un meurtre banal ne ferait pas l'affaire. Le ministre de l'Intérieur sait que je suis là. Mon assassinat devait apparaître comme un inexplicable accident. Et le prince? Un simple prétexte pour inciter le ministre de l'Intérieur à me convaincre de prendre l'affaire en main, donc de me faire venir ici. Mais quelqu'un pourtant a débarqué à New Haven. Les télégrammes? Ouais. Un homme a bien débarqué à New Haven. Qui? Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Si ce n'est pas trop vous déranger, je voudrais mes bottes. Je viens justement de les finir, monsieur. Vous savez quelles sont les miennes? Je connais chaque paire, monsieur. Celle-ci est au maître, celle-là à Lord Clermont. Je vois, essayons plus. Je vous parie un shilling que vous ne pouvez pas me dire à qui sont ces chaussures. Ça, c'est facile, monsieur. Les vêtements sont une chose, docteur, et les bottes une autre chose. Un homme habitué à porter des bottes sur mesure ne porte que les siennes. Le petit sireur les a reconnues tout de suite. Elles appartiennent au fils de von Felsen, Anton. Voulez-vous m'aider à faire les bagages, Watson? Oui, naturellement. Vous pensez qu'Anton von Felsek s'est fait passer pour le prince? Ne pense pas, je le sais.
Mais le prince, ou qui que ça puisse être, est arrivé de France. La seule chose nécessaire à la réussite du plan, c'était qu'Anton prenne le premier train pour Londres jeudi dernier sous prétexte d'affaires ou d'obligations mondaines. À Londres, il a pris un train pour New Haven, arrivant à destination assez tôt pour pouvoir embarquer sur le ferry de Dieppe. La traversée ne dure que 5 heures. Cette nuit-là, il était de retour à New Haven, prenant grand soin de parler allemand, afin que l'on se souvienne de lui. Ainsi c'est Anton qui est le responsable de ce diabolique complot. Anton n'est rien d'autre que l'instrument de son père. Vous avez raison. Mais avons-nous des preuves suffisantes pour établir le crime? Quel crime? Vous le demandez? Holmes, ils sont tentés de vous assassiner. C'est la raison qui importe, ce n'est pas la tentative. Et en outre, le crime qu'ils avaient peur que je découvre n'a pas été commis ici, docteur. Bonjour. Bonjour, monsieur Holmes. Bonjour, docteur Watson. Bonjour, comte. Vous partez? Sur le champ, pour Bristol. Bristol? À la recherche du prince. Vous savez de nouveau sur lui? Veuillez nous excuser, l'heure n'est pas au détail, mais je vous révélerai l'entière vérité sur cette affaire en temps voulu. Venez, Watson. Bien, très bien. Dans une voiture aussi rapide que la sienne, il arrivera à Bristol avant ce train à l'allure d'escargot. Si toutefois nous allons vraiment à Bristol. Au troisième arrêt, si l'on en croit les nouveaux horaires des chemins de fer, nous aurons de justesse la correspondance avec le rapide de Londres. Et le reste des bagages? Je sais, mais ceci sera suffisant. Ah non, 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 mes vestons, mon habit, martingote. Je vous les réclamerai aux objets perdus, voyons. Mais maintenant, je vous en prie, dépêchez-vous, Watson. Comte von Felsek m'a dit que vous aviez pris le train de Bristol. Peut-être aurez-vous l'obligeance d'expliquer votre présence ici, madame. Eh bien, j'ai reçu une lettre ce matin. J'ai choisi de la considérer comme une convocation à Londres. Monsieur Baines eut la galanterie de me proposer sa Rolls-Royce. À mi-chemin de la gare, j'ai changé totalement d'avis et décidé de prendre le rapide. Vos raisons, madame. Peu avant votre brusque départ, j'ai entendu une partie des ordres qu'Udo était en train de donner à son chauffeur. Atteindre Bristol avant nous et nous y tendre une embuscade fatale. La voiture stationnée dans la cour de la gare que nous venons de quitter était la Mercedes du comte. Et j'ai aperçu un homme qui est monté dans le compartiment voisin. Il était nu-tête et il portait un manteau, dissimulant à mon avis son uniforme de chauffeur de maître. Le comte von Felsek peut lire en moi comme dans un livre. Et vous aussi, madame. Bien que je m'étonne que vous soyez donné tout ce mal pour nous. Si je ne me trompe, vous n'avez guère manifesté le désir de me venir en aide autrefois. Vous avez refusé de me révéler votre but. Vous m'avez traité en suspecte.
J'ai trouvé votre attitude offensante, Monsieur Holmes, très offensante. Mais je n'ai pas la moindre raison de vouloir votre mort, vous devriez le savoir. Udo von Felsek, lui, veut votre mort. Pourquoi, je l'ignore. Le train local était affreusement sale. Je suis couvert de suie, il faut que je fasse toilette. Monsieur Holmes, la suie et la saleté peuvent attendre lorsque votre vie est en danger. Je vous conseille de trouver une place à l'avant du train et d'y demeurer jusqu'à ce que nous arrivions à Londres. Je préfère ne pas vous quitter. Et moi, je préfère que vous le fassiez. En ma présence, rien ne peut arriver. Oui, peut-être et peut-être pas. Néanmoins, si vous étiez vu avec nous aujourd'hui, je ne saurais me porter garant de votre sécurité. J'ai une vieille habitude, celle de prendre seule mes décisions, Monsieur Holmes. Madame, je ne serais nullement surpris si j'apprenais que vous êtes une suffragette. Ayez la bonté pour cette seule et unique fois de faire ce que je dis. Je vous en prie. Veuillez m'excuser. Je vous demande pardon. Je tirais les stores. Si une attaque devait avoir lieu, elle était imminente. J'aurais préféré avoir la possibilité d'interroger ce garçon malchanceux, docteur. Monsieur Holmes ? Il vous assure, madame, de sa profonde reconnaissance. Mais où donc est-il ? Je n'ai pas bougé d'ici. Il est passé devant, vous auriez dû le voir, c'est curieux tout de même. Oh, si je ne m'abuse, vous avez un appartement au Langham, c'est sur mon chemin. Mon taxi vous déposera. Oh, merci, oui. Puis-je ? Oui. Celui qui croyait voir des démons quand il était ivre. Pauvre homme, tué comme un animal à l'abattoir. Très juste votre description, docteur. Sa gorge a été tranchée d'une main aussi dure que celle d'un boucher. Et l'arme, vous n'avez aucun indice ? Aucun, monsieur. J'ai téléphoné chez vous immédiatement, mais votre logeuse ignorait où vous étiez. Il a été assassiné après m'avoir parlé. Voyez-vous que cela puisse être la raison ? Ces paroles n'avaient aucune signification, l'homme divaguait. Auriez-vous omis certains faits dans votre rapport ? Aucun fait n'a été omis, Monsieur MacDonald. Comme Achille, Holmes se retira sous sa tente. Je l'entrevis à peine pendant 24 heures. Et je redoutais que l'on attende de nouveau à sa vie. Le violon, le dernier recours de Sherlock Holmes quand l'inspiration se faisait tirer l'oreille. Il y avait quelque chose de désespéré, de frénétique même, dans ces étranges sonorités, et mon cœur débordait de compassion pour mon vieux camarade.
soudain, la flamme du gaz se mit à baisser. Je regardais les lampes, redoutant je ne sais quoi. Mais non, il ne s'agissait que d'une chute de pression, et bientôt tout rentra dans l'ordre. Watson ! Watson ! Ah, il doit être ici. Je ne jette jamais rien. Puis-je vous aider ? Un homme devrait bourrer sa cervelle de toutes les connaissances qui peuvent lui être immédiatement utiles. Quant au reste, il devrait toujours l'avoir sous la main. Mais où ai-je pu fourrer ce vieux carnet de notes ? Lequel ? Un carnet rouge. Est-ce lui ? Oui, bravo. Merci, Watson. Maintenant, je voudrais les cartes où figurent les conduites d'alimentation en gaz de Londres. Conduites de gaz, conduites d'eau, elles sont classées par quartier. Prenez Whitechapel, naturellement. Oui, bien sûr, Whitechapel. Ah, le voilà. Le sujet de l'exposé de von Felsegg, je m'en doutais bien, mais j'ai trop de choses en tête et je n'étais pas tout à fait sûr. Les propriétés des éléments non ferreux additionnés de composés hautement toxiques. C'est celle-ci ? Mais non, c'est la carte des égouts, je voudrais celle du gaz. Des conduites de exactement. Gaz, conduites de gaz. Et leur application pratique dans l'extermination de la vermine. Vermine. Que n'ai-je déchiré le voile du mystère plus tôt ? Mais il n'y avait pas alors de raison. Je crois que... Oui. Yo, Watson. Tenez ça, s'il vous plaît. Lorsque vous avez éliminé ce qui est impossible, Watson, ce qui vous reste, même si c'est tout à fait improbable, ne peut être que la vérité. Restez ici. Et apportez du téléphone, s'il vous plaît. Mais voulez-vous donc ? Ceci pourrait me prendre un certain temps. Ne faites rien, à moins que je ne vous appelle. Est-ce que c'est clair ? Mais quand reviendrez-vous ? Si je vous fais demander, il y aura peut-être quelques dangers à affronter. Ainsi, ayez la bonté de glisser votre revolver d'ordonnance dans votre poche. Cette nuit-là, Holmes ne revint. Je m'inquiétais. Et si quelque chose lui était arrivé ? Peut-être devrais-je téléphoner à McDonald's ? Mais Holmes m'avait ordonné de ne rien faire. Et il ne parlait jamais à la légère. Je décidai d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit. En dépit de mes appréhensions, je somnolais. Puis je m'endormis. En sursaut, je me réveillais. Il était tard. Je redoutais le pire. L'heure était venue assurément d'informer la police que Holmes avait disparu. Holmes ? Gardant en ma mémoire les instructions de Holmes, je me hâtai de les suivre. Après avoir envoyé ma voiture, je me dirigeai vers notre lieu de rendez-vous. Holmes ? Holmes ? Silence ! Vous allez tout faire échouer si vous continuez à crier mon nom aux quatre vents. Mais vous m'étranglez, Holmes ! Et maintenant ? Venez. Pourquoi ce déguisement ? Que cherchez-vous à savoir ? La preuve était là éclatante, Watson, depuis le début. Et digne du dernier des sceaux, je l'ai ignoré. La première nuit, quand nous avons parlé à Alfred Coombs, nous l'avons entendu. Quoi ? J'ai rien entendu. Des barils de bière livrés en pleine nuit à un débit de boisson qui est fermé depuis des mois. Il y a eu trois autres livraisons de bière dans les dernières 24 heures, baril après baril. Mais s'agissait-il de bière ? Que pouvait-il contenir ces barils si c'était de la bière ? Je crois que je le sais. Pas de bruit. Descendre.
que la poussière et des détritus. Holmes, chut. Êtes-vous sûr que c'est... Des barils, par douzaines. On les a déjà mis ailleurs. Aidez-moi à chercher une porte dérobée, une entrée secrète. Non, elle sera dans ce mur. Il n'y a rien ici, Holmes. Qu'un solide mur de briques. Il faut qu'il y ait une entrée. Ah, voyez-vous cela, Watson? Pas de poussière. Il y a peut-être une poignée. Relié au reste du réseau dont ils se servent. Sa bouche d'aération n'est autre que le soupirail. Il y a dû y avoir plus d'un accident, Watson. Dans le premier, je suis prêt à croire que c'est un des leurs qui a été tué. Et ils ont jeté son cadavre dans la Tamise. Et la preuve est là. Là, derrière cette porte. Au nom du ciel, Holmes, quelle horreur allons-nous découvrir? Petite rectification au nom de l'enfer qu'allons-nous découvrir. Votre mouchoir, Watson. Tenez-le contre votre visage. Respirez le plus que possible. Nous n'avons plus besoin de cela, Watson. Mais enfin, ils vont peut-être... Venez, venez, Watson. Soyez gentil, suivez-moi. Voyons cette blessure. Estimez-vous qu'elle soit grave? Oh, ce n'est qu'une égratignure. Rien de comparable, je vous assure, à la balle que j'ai reçue à la bataille de Maven. En effet, Watson, vous avez raison. Je peux encore me servir de ceci. Très bien, mais c'est inutile. Holmes. Holmes, il faut impérativement retourner là-bas. Il le faut, entendez-vous? Allons, Watson, montez! Ah, nous y sommes! Montez, il y a sans doute une issue de secours, ils peuvent s'échapper. Si MacDonald, notre admirable MacDonald, a suivi mes directives à la lettre, il les a suivies, j'en suis sûr, une évasion est hors de question. Allez, hop, hop. Que vous disais-je, docteur? Voici MacDonald. Avancez! Allez, allez! Pas de résistance. Vite! Vite! Avancez, avancez! Monsieur Holmes? Le gaz toxique à l'état brut était livré au débit de boisson dans des barils de bière modifiés et scellés hermétiquement.
Là, il subissait un traitement qui le rendait encore plus dangereux. Et ensuite, sous pression, l'injectait dans des cylindres métalliques, ces cylindres étant déposés au voisinage du gazomètre le plus proche, les souterrains ayant été prolongés et raccordés aux conduites principales. Holmes, je suis resté à l'hôpital un certain nombre de jours, rappelez-vous. Je suis encore un peu perdu dans cette affaire. La plupart des maisons de Londres ont toujours recours au gaz d'éclairage. Par les conduites d'alimentation normales, le gaz aurait été envoyé sous pression dans les foyers d'une population sans méfiance. Mais le nombre des victimes aurait été effrayant. Et ceci serait arrivé en temps de paix, de nos jours? Ce système infernal devait rester en place et être finalement déclenché en quelque sorte par commande à distance quand la guerre éclaterait. Mais comment? Ceci aurait été le dernier joint de raccordement à la conduite principale. Vous remarquerez qu'une mince plaque de verre y a été insérée. Cette plaque de verre est assez solide pour résister aux vibrations ordinaires, mais tout mouvement excessif provoqué, disons, par une explosion, la pulvériserait et permettrait au gaz empoisonné de s'infiltrer dans les tuyaux d'alimentation du foyer. Une explosion? Une bombe à retardement installée par l'ennemi? Plus probablement des bombes lâchées des énormes vaisseaux aériens du comte von Zeppelin. Terrible. Terrible. Et von Felsek a-t-il été... Von Felsek a pu nous échapper, docteur. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ces affreux gaz toxiques. Seigneur. Mais il y a une chose cependant que je ne saisis pas. Comment MacDonald a-t-il su où il devait attendre? Il n'y avait qu'une raison pour laquelle von Felsek avait voulu s'en prendre à ma vie. Il fallait interrompre à jamais mon enquête à Londres. Lorsque je commençais à entrevoir la dite raison, la vérité, je me souvins du corps qu'on avait repêché dans la Tamise. Un des leurs, aviez-vous dit? Tué accidentellement, tué par ce gaz puissamment toxique. Comme les deux victimes suivantes. Près de l'endroit où il avait été repêché, se trouvait un débouché d'égout. Je remarquai que cet égout passait tout près de la galerie abandonnée. Je soupçonnais que le cadavre avait été jeté à la Tamise par ce débouché. Par un hasard quelconque, il était resté coincé sous la jetée. De toute évidence, c'était par l'égout qu'il s'enfuirait, si jamais ils étaient découverts. Et vous avez délibérément provoqué, déclenché cette fuite, tandis que MacDonald et ses hommes attendaient au débouché de l'égout. Mais cet égout, Holmes, comment pouviez-vous être sûr? Vous ne pouviez pas deviner qu'il s'enfuirait par là, c'était une supposition. Watson, je ne me laisse jamais séduire par de vulgaires suppositions. Vous devriez le savoir depuis le temps. J'avais inspecté le débouché d'égout avant de transmettre mes instructions à MacDonald. Un bateau fait pour les voyages en haute mer était amarré près de là. Un bateau sous pavillon allemand. Entrez. Je vous demande pardon, monsieur, mais cette lettre, arrivée par porteur et adressée à... Sherlock Holmes, 202 Baker Street. C'est normal, madame Watson, puisque c'est là que j'habite. Merci. Posez-la quelque part où vous voudrez. Monsieur Holmes, cette lettre porte le sceau royal. Merci. Eh bien, je dirais que c'est là un très grand honneur, Holmes.